Bonjour. Bonjour. Alors, je sais ce que vous dites. Yacine et Edo, ils vont encore nous dire qu'ils jouent à Avignon, au Palace à 22h, tous les jours, pendant tout le mois de juillet, pendant le festival. Waouh, comment ça se fait? Je sais pas. Franchement, bien, oui. Comment vous avez su ça? C'est exactement ça qu'on allait vous dire. Souvent, les gens nous demandent, dis donc, Yacine, Dedo, vous êtes Depp? Vous êtes Depp? Non. C'est très ensemble que tout de suite. Voilà, on est des potes. Et souvent, on nous demande aussi, hey, pourquoi on irait voir votre spectacle, les gars, là? Pourquoi on irait? Eh ben, on va vous dire pourquoi. Voilà. Parce que notre spectacle, il lutte contre la crise. Parce que c'est la crise. Absolument. Oui. Et d'ailleurs, pour bien vous expliquer comment notre spectacle lutte contre la crise, on a fait appel à un crisologue qui s'appelle Claude. Il est là. Ici présent. Voilà, Claude. Claude, mais on va l'appeler Chaton Minou, parce que je trouve ça plus sympa. Sympa. C'est marrant. Okay. Donc, merci d'être là, Chaton Minou. Eh oui. Alors, que se passe-t-il Bien entendu. Voilà, bien sûr, c'est la crise. Bien entendu, on a des problèmes. C'est dur. Alors, en ce moment, c'est très très dur. Alors, comment on va vous expliquer? Montrez-nous votre premier schéma, s'il vous plaît. Schéma de crise. Ah, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai des notes que j'ai été relevées moi-même à l'Organisation Mondiale du Commerce. 13% de l'assiette française des dépenses locales des tiers de charge sont inférieurs au prorata des 7% requis par Schengen. Si on ajoute l'inflation du yen, et vous savez qu'elle est importante, hein, dans la tranche des actifs tertiaires bien évidemment, le constat est sans appel, mesdames et messieurs. C'est trop long. C'est une phrase chiante. Voilà, c'est chiant. Mais en gros, c'est la crise. C'est la crise. Oui, vraiment, c'est dur. Voilà, c'est la crise. La France est en crise. Elle comme on peut bien le voir aussi, ça touche tout le monde. Ah. Château Minou, on peut voir derrière. Même les petits chiens, comme vous pouvez le voir. Ça touche tout le crise, monde. Crise partout. La tape là, le museau, voilà. Les oreilles. Tout. Les flancs. Le dos, le bac. Les patounes. On est partout. Partout voilà. La crise. Elle touche tout le monde. Elle frappe même. Elle frappe la France. C'est comme des petites gorgettes comme ça. Mais des petites gorgettes. Ah, ça, là, comme des. Ouais. Parce qu'elle est agressive. Qu'est-ce qu'elle fait la France quand elle se prend des gorgettes? Elle est triste. Ouais, mais elle abandonne? Non. Elle prend du crack? Un peu. Non. Elle prend pas du crack. Non. Elle se bat la France. Voilà. Solide. Elle arrête les cours, elle stoppe l'école. Non. Parce qu'elle veut son diplôme, elle voilà. A 11, 11,2. Avant elle avait 16, maintenant elle a 11. 11,2, t'as ton diplôme ou pas? Elle a le diplôme, mais elle a pas de mention. Ce qui compte c'est quoi? C'est le diplôme. Ah non. Elle se bat. Et comment elle se bat? En cherchant du bonheur, voilà. Et notre spectacle, il en donne du bonheur. C'est pour ça qu'il faut aller au spectacle. Voilà, parce que beaucoup de scientifiques disaient que le bonheur était contenu à l'intérieur de Salma Hayek. C'est vrai. C'est faux. Non. C'est sexiste. C'est pas sexiste, On peut pas dire ça d'une femme. Mais c'est pas la question de c'est à l'intérieur. C'est oh là là. Non, mais oui. Parce que t'as pas vu la robe? Si, la violette. La robe violette à Cannes? Ouais. En violette? Très très bien. 48 ans? Ouais, c'est bien, bien. C'est bien. Trop, mais le bonheur, non, n'est pas dans Salma Hayek. Le bonheur est à l'intérieur de nous, de toi, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, Chaton Minou. Mais à l'intérieur de Salma Hayek aussi. Plus. Voilà. Alors, Chaton Minou, montrez comment le bonheur interagit avec les comics, s'il vous plaît. Voilà. Hop! Un humoriste. Du début de l'époque d'Aristote. Absolument. Grèce antique, 17e. Petite toge, normal d'humoriste. Un pied patte. Hop. L'humoriste, il parle, il envoie des blagues. Les rayons de blagues traversent une barrière chrysale. Voilà. Des cellules. On appelle le seum. Le seum. Ou encore la rage intérieure. Le ah, on n'est pas content. Le ah, on est morose, on n'est pas content. Hop, on dessemise le public. Ça dissout toutes ces mauvaises bactéries. Exactement. Le public est joyeux et plein de joie. Et donc le bonheur entre et le bonheur s'installe et il reste. C'est donc la preuve. Économiquement, on vous l'a prouvé. Biologiquement, on vient de vous le prouver. Et notre chrysologue va vous le dire haut et fort. Oui, c'est vrai. Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin de l'expliquer. Ne vous battez pas, les gars. Non, mais depuis tout à l'heure, je fais. Voilà. Dedo, merci beaucoup. Excellent travail. Merci. Moi-même, je me remercie. Merci beaucoup. Je sens qu'il y a un truc qui est cassé. Non, il y a un truc qui est brisé. Parce que je monte. Et à très bientôt.